Benoît Cousy est éditeur et est avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur la démarche de publication que propose le Lys Bleu Édition à ses nouveaux auteurs. N'y allons pas par quatre chemins. Vous demandez à vos auteurs d'acquérir 40 exemplaires de leur ouvrage. Cela lève de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et sur certains forums. Alors, pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce choix ? Effectivement, vous avez parfaitement raison. À chaque fois qu'on demande 40 exemplaires, on devient un éditeur inscrupuleux et sans vergogne qui volerait les auteurs. Ce n'est pas tout à fait vrai, en réalité. Reprenons un petit peu les choses. Quels sont les types d'éditeurs qui existent aujourd'hui ? Des éditeurs à compte d'auteur, qui sont des prestataires de services, qui ne font qu'une seule chose, c'est demander à leurs auteurs de payer pour faire le travail de conception, le travail d'impression de l'ouvrage. Strictement rien d'autre. Ensuite, il y a les éditeurs classiques, à compte d'éditeur, que tout le monde connaît. Ces éditeurs sont des éditeurs qui en prennent en charge la totalité des frais de conception, d'imprimerie et de promotion des ouvrages. Et puis ensuite, il y a des éditeurs alternatifs, on dirait, qui vont demander un montant pour une correction, qui un montant pour une couverture, qui l'ensemble de tout ça, pour des montants moins forts que les éditeurs à compte d'auteur. Nous sommes le Lys Bleu Édition, nous sommes une maison qui n'a rien à voir, ni avec les uns, ni avec les autres. Nous ne sommes pas des éditeurs à compte d'auteur, nous faisons l'ensemble du travail et nous faisons de la promotion de nos ouvrages, et je vais expliquer par la suite pourquoi et comment. Nous ne sommes pas non plus des éditeurs parfaitement classiques, puisque nous demandons un montant, mais ce montant, il n'est pas non plus alternatif, puisque nous mettons en face des exemplaires qui sont vendus à nos auteurs, qu'ils vont revendre, et qui ne sera absolument pas une charge pour eux. Ces exemplaires vont être donc revendus par nos auteurs. Cela veut donc dire qu'il n'y a aucune charge financière qui restera pour les auteurs une fois qu'ils auront cédé ces exemplaires lors de dédicaces, lors de salons littéraires. Et pour cela, nous allons leur donner des conseils, nous allons leur donner tous les moyens pour y parvenir le plus rapidement possible. Donc, comme vous le voyez, rien à voir avec une édition à compte d'auteur où l'auteur engage, investit un montant fort et ne récupère jamais sa mise, et pour cause, puisque le prestataire de service n'a strictement aucune raison, étant payé au préalable, n'a aucune raison de faire la moindre promotion pour tenter de vendre un exemplaire de ce livre dont il se fiche éperdument, soyons très clairs.